Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de Cent Ans. Ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio. Sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de l'être. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers, avec fierté peut-être, mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la vague de l'être. J'en ai encore pour quelques.